de nos concitoyens. Nous devons que être bien portants, parce que nous sommes là pour l'épanouissement intégral de la santé de nos concitoyens. Voilà, alors docteur, quel but viser en organisant ces pratiques de consultation? En fait, c'est tout simplement alléger nos populations. C'est le mot-clé, c'est alléger. Parce que les groupes de soins actuellement coûtent énormément cher par rapport à un revenu dont vous connaissez les effets. C'est-à-dire que nos groupes de concitoyens, la plupart ont des revenus faibles, il faut les soulager. Et pour les soulager, il faut tant soit peu leur apporter un réconfort en leur assurant une consommation de qualité gratuite et également une distribution de médicaments de manière gratuite. C'est ça la raison d'être ici. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Vous avez vraiment vu la population ici. C'est quoi au juste le motif? Ici, le motif, c'est que dans le cadre de l'activité de notre ASREL, intitulée Les Amis du professeur Dr Jérôme Sokolo, cet ASREL qui vise d'abord l'épanouissement intégral des concitoyens au plan sanitaire, a prévu aujourd'hui assurer des consultations gratuites ainsi qu'une distribution gratuite également des médicaments et certains examens qui se feront de manière gratuite. En tant que vous, docteur, par rapport à votre ASREL, vous attendez quoi par rapport à ces populations? Vous souvenez de ça que la consultation c'est gratuit ou nous vont payer là? Ces personnes que vous avez vues là, ce sont des concitoyens, des êtres humains, des compatriotes. Pour la plupart, les revenus étant moindres et insuffisants, nous avons voulu les alléger en leur assurant ces soins. Et ces soins sont gratuits à tous les deux. Peut-être c'est moi aussi à Matete ou bien par rapport à d'autres communes. D'abord, nous avons commencé par Matete. Ces actions vont s'étendre à travers toute la République. Merci. Merci. Association qui est de contribuer à la santé de la population, surtout des plus démunis. Et cela en les assistant gratuitement.
c'est ce que nous allons devoir faire aujourd'hui. Sans plus tarder, notre manifestation va comprendre trois points. Le premier point, c'est le petit mot de bienvenue du coordonnateur de l'association, le professeur Dr Jérôme Sokolo. Il sera suivi du mot de circonstance du médecin chef des zones de Matete, représentant l'État. Et enfin, ça sera le début de notre manifestation, le médecin et les autres staffs médicaux vont rejoindre la tente, les tentes devant nous, pour commencer les consultations. Sans plus tarder, je donne la parole au coordonnateur de l'association, le professeur Dr Jérôme Sokolo. Bien, chers amis, je voudrais d'abord commencer par vous remercier de votre présence à cette cérémonie qui est tout à fait symbolique, à travers laquelle nous allons procéder à des consultations gratuites ainsi qu'à la distribution gratuite des médicaments. Et ceci s'inscrit dans la ligne directrice de ce que l'État congolais veut pour ses concitoyens. Et nous sommes une ASBL qui évolue dans le sens d'aller ou d'épauler l'État dans ses missions régaliennes. Voilà pourquoi nous tenons à vous remercier de votre présence et nous remercions également tous ceux qui ont accepté de passer par cet événement, notamment les nombreux patients qui viennent nous voir pour les dépistages et pour les consultations. Soyez-en rassurés que nous passerons de très bons moments avec vous et nous voulons que tous soyons sereins pour que cet événement se déroule dans des conditions optimales. Merci beaucoup. Présent, je donne la parole au médecin chef de zone de Matete, qui, aussitôt après son petit mot de circonstance, va couper le ruban symbolique, signe du début de la cérémonie de ce jour. Bonjour à tous. De tous les matériaux, nous déclarons officiellement l'ouverture de la cérémonie de ces jours organisés par l'association des amis du docteur Jérôme. Et nous demandons au docteur Jérôme que ces gestes se louables et la première et qu'elle ne soit pas la dernière, comme vous l'avez dit. Nos populations souffrent, on a besoin des associations qui vont dans accompagner, comme vous l'avez dit, dans nos prérogatives régaliennes, mais que parfois ce sont nos amis étrangers qui nous viennent en aide. Alors, nous avons beaucoup de problèmes de santé publique au niveau des maladies. Si vous pouvez être à nos côtés pour nous épauler, ce sera le bon. Donc, j'ai dit et je vous remercie. Nous invitons le médecin, chef des zones de Matete, de couper le ruban symbolique. Nous souhaitons
cérémonie de séjour, on a organisé la médecine interne, la pédiatrie, l'ORL, la dentisterie, la gynécologie et la chirurgie. Il y a aussi les laboratoires. Donc, les patients qui sont en train de se faire enregistrer ou qui se sont déjà fait enregistrer, aussitôt que le médecin sera installé, on va appeler, les gens vont défiler un à un en ordre. On a déjà pris des préliminaires et le médecin va les entendre et ils vont diagnostiquer ce qu'ils ont et ils vont prescrire le médicament et leur donner. Et je crois que pour peut-être des cas qui ne sont pas consultables ici, on peut référer ailleurs. Ouais. Donc voilà. La cérémonie d'ouverture est terminée et nous demandons aux médecins de rejoindre leur poste d'attache. Merci. Ok.
Thank you.
Nous voulons Dominique.